C'est conformément à la circulaire numéro 002/MENFC du 13 septembre 2023 que les frais d'inscription et de réinscription des élèves orientés dans les établissements publics et privés gabonais sont gratuits. Une mesure salutaire qui a cependant vu ses limites dans son applicabilité l'année dernière, suscitant beaucoup de réactions populaires. La directrice m'a reçue, elle m'a demandé de payer, je ne sais pas trop, 3 000 plus sur l'enveloppe, 4 000 francs. J'ai payé 4 000. Elle ne m'a pas remis de reçu. Elle m'a demandé de passer lundi. Depuis hier, nous sommes en train de faire la queue. Apparemment, la directrice n'est pas là. J'ai payé 60 000 francs. D'après ce que la direction a eu à me dire, que les 60 000 francs, c'est une avance sur l'inscription. Donc l'inscription est à 100 000 francs. À quelques jours de la rentrée des classes 2024-2025, la question de l'harmonisation des frais de scolarité dans les établissements scolaires du secteur privé reste une préoccupation majeure. Dans les établissements privés, les frais de collage ne sont pas harmonisés conformément à la décision numéro 0038, fixant le plafond du montant des frais et droits perçus par les établissements privés d'enseignement sous tutelle du ministère de l'éducation nationale. Véritable épine dorsale pour bon nombre de parents d'élèves, le respect de la gratuité des frais de collage par les différents responsables d'établissement est essentiel pour une rentrée scolaire dépourvue de toute lourdeur pour les parents d'élèves.